Boucle d'or et la famille Panda. Il était une fois une petite maison au bord d'une charmante forêt où vivait une fillette aux boucles blondes nommée Boucle d'or. Boucle d'or était tellement ravissante que tout le monde l'aimait. Mais cette charmante fillette pouvait être parfois maladroite et dissipée. Boucle d'or fit tomber par maladresse le gâteau que sa mère venait de lui préparer. Boucle d'or, eh bien, tu vas devoir patienter avant de prendre ton petit déjeuner. Et moi, je vais devoir refaire un gâteau. Très bien, joue tranquillement en attendant que ce soit prêt. Et surtout, ne t'avise pas de sortir seule du jardin. Boucle d'or était bien déçue de devoir attendre pour déjeuner. Je peux bien faire un petit pas de rien vers là pour m'approcher un peu de la forêt ? Et ma mallette. Oh, et puis si je vais faire un petit tour, personne ne le verra. Tandis que sa mère était occupée dans la cuisine, Boucle d'or s'éloigna à petits pas de la maison, sortit du jardin et entra dans la forêt. Au cœur de cette forêt se trouvait une jolie maison en bambou. C'était une charmante famille panda qui vivait dans cette maison. Il y avait le gros papa panda, la moyenne maman panda et leur petit bébé panda. La maman panda se levait chaque matin avant tout le monde et préparait une bonne bouillie de bambou à la vanille pour le petit déjeuner. Réveillé par la délicieuse odeur de la bouillie, le papa panda se levait et allait réveiller son petit. Le bébé panda, qui aimait tellement dormir, avait le plus grand mal à se réveiller. Mais il ne pouvait résister à la délicieuse odeur de bouillie qui arrivait à ses narines et finissait par se lever. Un matin, toute la famille panda était assise à table pour manger la bouillie de bambou que la maman panda avait préparée. Mais la bouillie était bien trop chaude. Maman, papa, si on allait faire une promenade en forêt en attendant que ça refroidisse ? Bonne idée ! Et on pourrait même en profiter pour cueillir du bambou pour le dîner. La famille panda laissa le déjeuner sur la table et sortit pour aller cueillir du bambou. Pendant ce temps, Boucle d'or gambadait dans la forêt, au milieu de jolis papillons colorés. Oh, j'adore cette forêt ! Elle est tellement belle ! Tous ces papillons en sont si jolis. Sans s'en rendre compte, en suivant les papillons, Boucle d'or continuait à s'enfoncer toujours plus loin dans la forêt. Et elle se retrouva perdue au milieu des arbres géants. Plus l'heure avançait, plus elle était fatiguée et avait faim. Elle était au bord des larmes, quand elle aperçut soudain une maison en bambou un peu plus loin. Rassurée, elle s'approcha de la maison et regarda par la fenêtre. Elle vit trois bols de nourriture à l'intérieur. Elle se dirigea vers l'entrée et frappa à la porte. La porte, qui était mal fermée, s'ouvrit devant elle. Boucle d'or entra, affamée. Oh, il y a quelqu'un ? Elle vit la bonne bouillie de bambou qui était servie dans un grand bol, un bol moyen et un petit bol. Elle avait tellement faim qu'elle ne résista pas à l'envie de goûter la bouillie du grand bol. Mais quand elle prit une première cuillerée, la bouillie était si chaude qu'elle se brûla la bouche. Cette bouillie est trop chaude. Alors elle goûta la bouillie dans le bol moyen. Oh, celle-ci, c'est l'inverse. Elle est beaucoup trop froide. Elle goûta enfin la bouillie de bambou du petit bol. Voilà
voilà une bouillie qui n'est ni trop chaude ni trop froide. Parfaite pour moi. Boucle d'or mangea toute la bouillie du petit bol. Puis elle décida d'aller se reposer un peu près de la cheminée. Là, elle trouva trois fauteuils. Elle essaya d'abord le grand fauteuil en bois. Oh non, vraiment! Ce fauteuil est bien trop dur! Et puis, il fait trop chaud, il est trop près de la cheminée! Elle alla s'asseoir dans le fauteuil moyen. Ce fauteuil est beaucoup trop mou! Alors Boucle d'or s'assit dans le plus petit fauteuil qui était juste à côté. Oh, celui-ci est parfait! Très confortable! Mais à cet instant, le fauteuil se cassa et tomba en morceaux. Oh non! Je ferais mieux de me trouver un endroit pour m'allonger quelques instants. Boucle d'or alla dans la chambre de la maison en bambou. Là encore, elle trouva trois lits. Un grand, un moyen et un petit. Boucle d'or s'allongea d'abord sur le plus grand lit. Ce lit est tellement dur et l'oreiller est trop grand. Essayons l'autre. Boucle d'or bondit sur le lit de taille moyenne. Mais elle le trouva trop mou. Alors elle sauta sur le plus petit lit. Ce lit n'est ni trop dur ni trop mou, il est parfait. Je vais faire une petite sieste. Boucle d'or s'endormit dans le confortable petit lit. Les pandas, qui n'avaient pas vu le temps passer quand ils cueillaient du bambou, rentrèrent enfin chez eux. En arrivant, ils allèrent tous s'asseoir à table pour déjeuner. Mais ils furent surpris de découvrir l'état de la table. Hein? Quelqu'un a goûté ma bouillie de bambou! Quelqu'un a goûté aussi ma bouillie de bambou? Où est ma bouillie de bambou? Elle a complètement disparu! Les trois pandas se levèrent et regardèrent autour d'eux. Ils remarquèrent leur fauteuil près de la cheminée. Oh, mais quelqu'un s'est assis dans mon grand fauteuil! Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil aussi! Oh, quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil et l'a cassé! La famille panda se dirigea alors vers la chambre à coucher. Quelqu'un s'est couché dans mon lit et a jeté mon oreiller par terre. Quelqu'un s'est couché aussi dans mon lit? Maman! Papa! Oh, regardez! Quelqu'un s'est couché dans mon lit et il y est encore! La maman et le papa panda découvrirent avec stupeur que le lit de leur petit était occupé. Le papa panda souleva la couverture. Et Boucle d'or se réveilla aussitôt. Quand elle vit ces trois gros pandas qui se tenaient devant elle, elle fut effrayée. Ça alors, mais qui es-tu toi? Pourquoi est-ce que tu dors dans mon lit? Je suis désolée d'être entrée comme ça chez vous. J'étais dans la forêt et je me suis perdue. J'ai vu votre maison et je suis entrée. J'avais faim et sommeil, alors j'ai mangé et dormi. Il ne faut pas entrer chez les gens comme ça sans permission, mon enfant. Et en plus de ça, ta famille doit être très inquiète. Viens, on te raccompagne chez toi. La famille panda connaissait parfaitement tous les chemins de la forêt. Ils n'eurent aucun mal à retrouver la maison de Boucle d'or. Maman! Boucle d'or, ma chérie, te voilà enfin! On t'a cherché partout, on était très inquiets. Désolée, maman, je ne partirai plus jamais sans permission, c'est promis. Les parents de Boucle d'or remercièrent la famille panda de leur avoir ramené leur fille. À partir de ce jour, Boucle d'or et bébé panda devinrent les meilleurs amis du monde. Et Boucle d'or n'oublia jamais de demander la permission avant de rendre visite à la famille panda, ce qu'elle faisait souvent. Elle ne se perdit plus jamais dans la forêt, grâce à son ami panda, qui l'accompagnait dans toutes ses promenades.